Ouais, pour moi, je vais dire c'est possible parce que c'est une habitude. Nous, on est habitué à jouer en étant en Ramadan. Parce que vous voyez aussi, il y a aussi d'autres joueurs, ce n'est pas assez. Il y a d'autres joueurs qui jouent en étant en Ramadan. Donc, c'est une habitude, ça fait déjà un temps depuis qu'on est né, on est habitué à jouer en étant en Ramadan. C'est normal, c'est pas grave, on est habitué. C'est pas aussi grave, aussi longtemps parce que tout se passe sur la tête, vous savez. Quand vous mettez trop ça en tête, peut-être que vous pouvez imaginer, vous mangez, vous pouvez penser à la nourriture, tout ça. Mais si vous savez très bien que je gêne pour mon Dieu, chercher son pardon, vous n'avez pas le choix, donc vous êtes obligé. Parce que c'est une obligation pour nous les musulmans de gêner chaque jour pendant 30 jours, pendant ces mois bénis de Ramadan. Donc on est obligé de gêner et de respecter aussi la parole de Dieu. Le Ramadan commence à 5h et ça se termine à 18h30. Donc je vais donner une petite explication, ça veut dire que le Ramadan commence juste à lever du soleil. Donc quand vous avez la possibilité de voir peut-être une cible qui est la couleur noire, vous pouvez la voir. Quand vous la voyez, donc là vous n'avez plus droit à manger. Et juste à l'approcher du soleil, là vous avez droit à manger.